Bonjour Vignal Bruxelles. En raison des nouvelles règles gouvernementales pour la région de Bruxelles, l'on ne peut plus se réunir en personne. Alors, tous nos rassemblements en personne sont annulés et ce qui se passe le dimanche soir sera pour l'instant annulé, c'est dommage. Mais nous allons aller de l'avant avec nos cultes en ligne le dimanche matin à 10h30 jusqu'à 11h45 environ et j'espère que vous serez des nôtres. Première annonce pour la réunion des nouveaux qui était prévue le 12 novembre à 19h30. Si vous êtes nouveau au Vineyard, si vous voulez en savoir davantage du Vineyard, c'est le lieu pour tout apprendre. Donc inscrivez-vous par Church Suite ou par le site web et le lien Zoom vous sera envoyé par email. Cette rencontre se fera donc à distance et venez, on sera ravis de vous y voir. Merci. Fontaine d'une bénédiction journalière, que mon cœur soit réglé sur le champ de ta grâce. Des ruisseaux de miséricorde éternelle nous appellent à des chants de louange qui s'entonnent. La fontaine de ma bénédiction journalière, que mon cœur soit au diapason de ta grâce pour la chanter. Des ruisseaux de miséricorde éternelle nous appellent à des chants de louange qui résonnent. Enseigne-moi des mélodies qui s'enflamment, entonnées par les langues des anges. Louer le mont sur lequel mes yeux sont rivés, le mont de l'amour inépuisable du Seigneur. Ici, j'élève une bénédiction. Avec ton aide, je surnagerai dans cette vie. Que ta grâce maintenant soit comme une entrave qui lie mon cœur au tien. Seigneur, gère beaucoup dans ce monde. Souvent, il m'arrive de délaisser le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, Seigneur. Prends-le, bénis-le. Bénis-le pour accéder au paradis. Voici mon cœur, Seigneur. Prends-le, bénis-le pour ton paradis. Ta bonté me poursuit. Ta miséricorde, elle, est infaillible. Jusqu'au jour où la mort me libérera, et je chanterai, que je chanterai.
Seigneur, nous te louons pour ta bonté. Et nos voix ont tant envie de s'élever vers toi. Que nos cœurs soient remplis de joie pendant que nous louons notre roi plein de grâce. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Me voici dans l'amour du Christ, debout. En Christ seul, qui a revêtu la chair, la plénitude de Dieu dans un bébé impuissant. Ce don d'amour et de droiture, méprisé par ceux qu'il est venu sauver. Jusqu'à ce que Jésus meure sur cette croix. Et la colère de Dieu fut apaisée. Il a pris sur lui chacun des péchés. Et me voici qui revit dans l'amour du Christ et la mort du Christ. Ground.
Son cœur a été mis au tombeau. La lumière du monde oxyde par les ténèbres. Ensuite, un jour glorieux, il surgit du tombeau. Et le voilà debout dans sa victoire. La malédiction du péché n'a plus aucune emprise sur moi. Je suis sien et il est mien. Racheté par le sang précieux du Christ. En Christ seul. Grâce étonnante en Christ seul. Dans la vie, aucune culpabilité. Dans la mort, aucune crainte. Voici la puissance du Christ qui vit en moi. Du premier cri de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, Jésus commande mon destin. Aucune puissance des enfers, aucun schéma de l'homme ne peut m'arracher à sa main. Jusqu'à son retour, il me rappellera chez lui. Me voici debout dans la puissance du Christ. En Christ seul. En Christ seul. Sens-tu que le monde est brisé? Nous le sentons. Penses-tu que les ténèbres s'approfondissent? Nous le pensons. Sais-tu que les ténèbres ne s'arrêteront pas? La lumière passe, nous le savons. Espères-tu que tu puisses voir tout ce qui est nouveau? Nous l'espérons. Sa création gémit, elle gémit. Une nouvelle création arrive, elle arrive. Une gloire du grand Seigneur, la lumière en nous. La bonté nous rappelle le Seigneur, elle nous la rappelle. Sommes-nous dignes? Sommes-nous complets? Sommes-nous capables de briser le sceau et d'ouvrir les écritures? Le lion de Juda a conquis la tombe. L'agneau mourra. Cela vaut-il la peine? Vaut-il la peine? Toutes ses bénédictions, son honneur, sa gloire, vaut-il la peine? Il vaut la peine. Yes.
Le Père nous aime-t-il vraiment? Il nous aime. L'Esprit bouge-t-il parmi nous? Il se déplace parmi nous. Jésus, notre Messie, nous aime pour toujours. Il nous aime pour toujours. Est-ce que Dieu va vivre parmi nous? Il vivra parmi nous. Sommes-nous dignes? Sommes-nous entiers? Sommes-nous capables de briser le sceau et d'ouvrir l'Écriture? Le lion de Juda qui a conquis le tombeau, c'est la racine de David et l'agneau mourra. Chaque peuple, chaque tribu, chaque pays, chaque langue, il a fait un royaume. Le règne de son Fils, est-il digne? Est-il digne? Toute cette bénédiction et son honneur et sa gloire. Est-il digne? Est-il digne? Est-il digne de cela? Il est digne. Il est digne. Jésus est digne. Nul autre n'est digne. C'est toi, tu es digne, c'est le nom de Jésus au-dessus de tous les autres, son nom au-dessus de tous les autres. Nous crions au Seigneur. La terre nous permet de chanter sa puissance et sa majesté. Nous louons le roi. Les montagnes se plient et les mers rugissent au son de ton nom. Je chante pour la joie, pour ton travail de tes mains. Je t'aimerai pour toujours. Je resterai pour toujours. Rien n'est comparable à la promesse que j'ai en toi. Je chante pour la joie à l'œuvre de tes mains. Je t'aimerai pour toujours. Pour toujours, je resterai. Il n'y a rien de comparable à la promesse que j'ai envers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? Mon aide vient de toi, Créateur du paradis, Créateur de la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient de toi, mon Créateur, Créateur du paradis, Créateur de la terre.
Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es ma seule prière. Je t'attendrai. Pour venir me sauver. Que tu viennes me donner la vie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? Mon secours vient de toi, Créateur du paradis, Créateur de la terre. Oh, comme j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es ma seule prière. Je t'attendrai. J'attendrai que tu viennes me sauver. Que tu viennes me donner la vie. Que tu me donnes la vie. Avec toutes tes paroles, tu donnes la vie. C'est la seule chose sans laquelle nous pouvons vivre. La partie la plus profonde de nos âmes en demande. L'espoir. L'espoir. Tout ira bien. Nous espérons que quelqu'un soit près de nous, pour nous, avec nous. Et parmi tous les endroits où vous pourriez être à cet exact moment, nous voulons que vous sachiez qu'il y a sa confiance, son espoir est là. Ce n'est pas un faux espoir, ce ne sont pas de fausses promesses. Ce n'est pas une garantie inventée par l'homme ou la femme. Ce n'est pas un fantasme ou une illusion. Ce n'est pas une invention. C'est un véritable espoir durable. C'est l'espoir que Dieu est bon. L'espoir qu'il nous réunit. Il ne s'est pas détourné de nous, de personne, d'aucune situation. Dieu s'implique dans nous. Nous le savons. L'espoir est là. L'espoir que vous êtes aimé dans vos pires moments. Et poursuivi quand vous fuyez. Ne vous méprenez pas. L'espoir est là. Peu importe d'où vous venez. Peu importe où vous êtes. L'espoir est là. Car l'espoir est une personne. Et son nom est Jésus. Jésus.
Hi, Vineyard Brussels. It's an honor to be with you today. Bonjour, Vineyard Bruxelles. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, prions pour que l'Esprit Saint nous aide à comprendre et touche nos cœurs par ses paroles. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette occasion de se rencontrer, même si par le biais d'écrans, d'ordinateurs et de caméras, nous confessons que nous croyons. Ce que tu as dit, lorsque deux ou trois sera sans bon ton nom, tu seras avec eux. Alors nous déclarons, Seigneur, que nous voulons te rencontrer, nous voulons te rassembler, même de manière en ligne, nous voulons nous rassembler en ton nom. Viens, Esprit Saint, ouvre pour nous la parole de Dieu, parle nos cœurs, change nos vies, pour que nous puissions refléter l'image de notre Seigneur Jésus toujours davantage. Nous prions en son nom. Amen. Je voudrais regarder avec vous deux histoires de la Bible aujourd'hui. L'une de l'Ancien Testament, l'une du Nouveau. Commençons avec l'Ancien Testament. Et avec un peu de chance, vous verrez le lien qu'il y a entre les deux. Je vais m'efforcer de créer un pont entre les deux. Il s'agit d'une histoire que chacun connaît, je crois, l'histoire de Moïse et sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent dans le désert. Un peu de contexte d'abord. Moïse est un fils d'Israël. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Et il s'agit d'une position tout à fait hors pair, parce que Pharaon, à l'époque, persécuter le peuple d'Israël, le contraignait en esclavage. Et voici Moïse qui se trouve fils de Pharaon, adopté par Pharaon. Sans aucun doute, par sa sœur Myriam, et si on lit l'histoire de près, on voit la connexion avec la cour de Pharaon qui s'est faite en fait par elle. Et je crois que c'est une connexion qui a dû être pérenne, parce que Moïse était conscient, litant, de sa connexion avec ce peuple dans la terre de Goshen. Et il avait environ 40 ans, moment auquel il mène son enquête. On lit qu'il s'est rendu dans la région d'Égypte, où son peuple était, et il voulait être davantage conscient de leur situation. Chacun connaît l'histoire, en fait. Tout part en vrille et il doit fuir pour sa vie. Et il finit en plein désert. Et dans le désert, il devient pasteur pendant 4 ans. Il est totalement coupé de la civilisation. Il disparaît. C'est un étranger qui erre au loin dans le désert. Il n'y a que sa femme et son beau-père, le prêtre de Midian, qui savent où il est. Et puis dans Exode 3, versets 1 à 3, je vais vous lire cela. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bon, voilà. Il y a là un entretien qui se fait après cette rencontre. Et de cette rencontre vient un défi pour Moïse. Dieu l'interpelle pour qu'il vienne à la rescousse de son peuple réduit en esclavage. On va regarder ça dans une seconde. Mais d'abord, regardons plutôt ce moment de rencontre où Moïse observe ce phénomène.
Moi, je ne connais pas très bien les déserts. J'ai rarement été dans un désert. Alors, je ne connais pas ça, mais j'ai l'impression, si je ne me trompe, qu'un buisson ardent n'est pas très coutumier dans un désert. Les buissons n'éclatent pas en feu. Il n'y a presque pas de buissons, d'ailleurs, dans le désert. Alors, s'ils sont là, ils ne se mettent pas à brûler. Et surtout, s'ils brûlent, ils se consument. Alors, Moïse qui chemine dans le désert et il fait son travail routinier de pasteur, il s'occupe de ses brebis, il cherche de quoi faire paître son troupeau. Et en fait, il voit ce phénomène. Un buisson qui brûle. Et puis, il regarde plus près, il dit, bah, c'est bizarre, ce buisson, il brûle, mais pourquoi est-ce qu'il ne consume pas? Donc, deux bizarreries. Et en fait, c'est un moment très important, une charnière. Parce que Moïse aurait pu se dire, bah, c'est bizarre. Et puis, passer son chemin, parce que le temps n'attend pas. Mon dîner m'attend, mes enfants m'attendent, et il faut que je passe plus loin. Il aurait pu l'ignorer, passer à côté littéralement, ramener son troupeau, et voilà, ça aurait été terminé. Mais non, il n'a pas fait cela. Il a regardé, et puis il s'est détourné litant pour aller voir ce phénomène. Ensuite, on lit, « Lorsque le Seigneur a vu que Moïse s'est détourné, il est venu à son rencontre en lui disant, « Ce lieu où tu es maintenant est une terre sainte. » Bon, maintenant j'ai une question sur laquelle je réfléchis. Est-ce que ce lieu, ce sol, aurait été saint si Moïse ne s'était pas détourné pour regarder? Dans la Bible, au Nouveau Testament, en grec, il y a deux mots qui sont employés. Le langage biblique parle de temps. Il y a chronos, il y a kairos. Chronos, vous le savez peut-être, c'est un mot qu'on emploie lorsqu'on parle de la chronologie du temps. La manière dont le temps s'écoule. Des secondes, des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, et ainsi de suite. Et le temps va de l'avant comme un fleuve imparable, comme la trotteuse d'une montre. Et comme vous le voyez ici à l'écran, dans ce genre de graphique que je vous montre, à un moment, Kairos, c'est un peu comme un cercle. Il vous amène, il vous sort de la chronologie du temps et il inverse votre vie. Et puis, il vous met sur un chemin neuf dans la chronologie du temps. C'est exactement ce qui s'est passé à Moïse. Moïse, quand il a regardé, quand il s'est détourné, il a changé cette chronologie de la vie pour instaurer un moment kairos, de rencontre avec Dieu, que ce moment est devenu saint. Parce qu'il a remarqué, en se détournant, en venant observer ce buisson, ce phénomène. Et c'est le moment où, d'après la Bible, Dieu a vu que Moïse s'est détourné et Dieu l'a appelé. Et là, en l'appelant, Dieu fait de ce moment quelque chose de spécial, de spécifique, qui a changé le cours de la vie de Moïse. Alors, dans ce graphique, vous voyez très clairement. Le premier mot, lorsque Moïse se tourne, il observe. Observer, il a vu ce qui s'est passé. Il a réfléchi. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'un buisson brûle sans se consumer? Comment se fait-ce? Ensuite, il décide de se repentir. Il se dit, j'aurais pu rentrer à la maison, mais non, je vais aller plutôt observer ce phénomène. Donc, il se détourne de son chemin habituel pour observer. Et ça, c'est le repentir qui amène un moment kairos. Ensuite, il rencontre Dieu. Et comme chacun le sait, la conversation qui s'en est suivie était quelque chose de fondamental. Le Seigneur appelle Moïse à aller délivrer son peuple, le peuple de Dieu. Et Moïse discute avec lui-même et avec Dieu. Il pose des questions. Qui es-tu? Et qui suis-je que tu m'envoies?
Ensuite, il se dit, est-ce que tu sais qui je suis? Moi, je suis, je bégaye, j'y arriverai jamais. Et Dieu a discuté avec Moïse. Et puis a terminé la discussion en disant, vas-y maintenant, va. Ensuite, il y a ce moment charnière où Moïse dit, je vais croire ce que Dieu m'a dit. Et il s'en est allé, il a fait marche arrière, sans doute rentre-t-il chez lui, il met ses affaires en ordre, il dit à sa femme et son beau-père de quoi il s'agit, et il agit. Alors, ce moment Kairos, j'ai l'impression que dans la vie, il y a beaucoup de moments Kairos, des moments où votre attention est attirée et vous devez prendre une décision. Est-ce que vous allez suivre votre chemin, continuer comme prévu, ou est-ce que c'est un moment où il convient de se détourner pour regarder? Est-ce que c'est un moment où Dieu veut qu'il y ait une rencontre? Est-ce un moment, Kairos, qui va changer ma vie ou la vie de quelqu'un d'autre? On pourrait, n'est-ce pas, prendre une seconde pour réfléchir. Si vous regardez cette vidéo avec moi, alors si vous êtes plusieurs ensemble à regarder, discutez de cela. Si vous êtes seul, réfléchissez à ces deux questions. Prenez un moment, mettez la vidéo en pause éventuellement pour réfléchir. Est-ce que, d'après vous, vous avez déjà vécu un moment Kairos? Et si c'est le cas, si vous reconnaissez les moments dans votre vie où vous pouvez dire que la chronologie s'est interrompue par un moment spécifique, un moment hors-circuit, si je puis dire, quel est le défi que vous avez dû relever? Parce que les moments Kairos, quasiment toujours, nous interpellent. Dieu vous rencontre dans l'interpellation, dans le défi. Et c'est quoi ce défi-là? À quel défi pensez-vous? Et si, à votre connaissance, vous n'avez pas encore vécu de moments Kairos? Écoutez d'autres personnes. Quels sont leurs récits? Quelles sont leurs histoires? Peut-être vous aideront-ils à réfléchir. Comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Et voici la deuxième question que j'amène et que je vous pose. Moïse a trouvé, comment dirais-je, a trouvé toutes sortes de réserves et d'excuses sur lui-même et peut-être sur Dieu. Allez savoir, parce qu'il ne savait pas avant, ne serait-ce que par les récits de ses aïeux. Et en fait, Moïse a dit, je ne peux pas faire cela, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas le courage, on ne m'écoutera pas, et je n'ai pas envie d'y aller. Alors, ces défis qui se présentent dans les moments Kairos, souvent nous font poser des questions sous-jacentes, en fait. Des questions que Dieu veut seulement faire revenir à la surface. C'est pour ça qu'il nous amène dans ces moments Kairos, ces moments de rencontre et de défi. Quelles sont les questions qui vous ont interpellé lorsque vous avez vécu des moments Kairos? Prenez quelques secondes maintenant pour réfléchir à ce sujet. Avez-vous déjà eu un moment Kairos? Si oui, quel défi avez-vous rencontré en ce moment? Moïse a dit, « Je ne peux pas, je n'ose pas, ils ne me suivront pas, je ne veux pas. » Comment vous ressentez-vous? Pour continuer, penchons-nous sur une parabole du Nouveau Testament. Mais cela pourrait bien être une véritable histoire. J'aime cette histoire parce que elle rapproche ce moment Kairos de ma vie quotidienne. Je ne suis pas un berger, je ne vis pas dans le désert, je n'ai jamais vu de buisson ardent, peut-être à la télévision dans un feu de forêt. Mais l'histoire que Dieu partage avec le peuple juif, on pourrait donc se demander, Dieu, que fais-je pour être sauvé?
Et Dieu dit, et aidez votre voisin comme vous. Et vivez. Et c'est peut-être incertain, c'est peut-être difficile à trouver, mais qui est mon voisin ? Et Jésus a partagé cette parabole dans Luc 10, 25, 37. Donc, je commence là où Jésus a commencé à partager la parabole. Et donc, il était à Jéricho. Par hasard, un prêtre passait par là et a rencontré Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a changé de côté. Et un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu passa outre. Mais un samaritain, quand il l'a vu, fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile de vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Et Jésus dit au théologien, « Which of these three do you think proved to be the neighbor to the men who fell into the robber's hands? » Now, let me kind of take you to the parallel that I feel is between the story of the burning bush and this story. Again, it's a story in Kairos, in the chronology of everyday life. This man who was robbed and beaten and left for dead by the side of the road is est laissé sur le bord de la route. Et le samaritain et le lévite et le prêtre l'ont vu. Ils passent à côté, mais ils sont sur leur chemin, ils suivent leur chronologie. Et pour être honnête, je n'ai jamais croisé quelqu'un abattu sur le sol, sur le bord de la route. Mais parfois, quand je mène mon chemin, quelqu'un ressort. Parce qu'ils ont un faciès particulier, un vêtement particulier. Peut-être vous les reconnaissez. Il y a peut-être un défi. Le prêtre est peut-être sur son chemin pour se rendre à Jérusalem. Il va peut-être au travail ou en revient. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là ? Les prêtres sont des religieux, mais ils ne sont pas foncièrement mauvais, n'ignorent pas ceux qui en ont besoin. Peut-être que le prêtre a pensé que si je m'attarde sur ce voyageur, je vais être en retard au travail. Et ce n'est pas un simple travail, je vais être en retard pour servir Dieu. Ce n'est pas simplement mon patron qui va être en colère si je suis en retard. Mais Dieu pourrait être en colère. Donc si je m'arrête et que faire s'il est déjà mort ? Et je ne pourrais pas servir Dieu. Et donc le prêtre décide de ne pas s'arrêter, de continuer son chemin. Et le lévite a pensé la même chose, peut-être. Ensuite, le samaritain arrive. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des samaritains, mais ils s'écartent des juifs, donc du chemin du peuple de Dieu. Les Samaritains étaient méprisés en ces temps-là. Ils étaient méprisés par les Juifs. Ils étaient considérés comme ceux qui se sont détournés de Dieu. Et donc, ce Samaritain passe par cette même route. Il voit ce voyageur au sol.
il se retourne, il le remarque. Et c'est quand il l'a vu, et c'est important, c'est quand il l'a vu qu'il a ressenti de la compassion. Et ce moment précis est le moment où la chronologie de cet homme est devenue un moment kairos. Le moment où il a vu et décidé de s'arrêter, il s'est détourné de son chemin de départ et il a observé, il a vu l'homme, il a réfléchi. Que devrais-je faire ? Et ce moment est devenu un moment saint. Il a ressenti de la compassion du Créateur a touché son cœur. Et il a ressenti de la compassion pour cet homme. Et il y est allé. Il s'est ensuite demandé ce que je devrais faire. Et il a pris une décision, il s'est repenti, il est allé vers cet homme. Il a bandé ses plaies, il l'a mis sur sa monture. Et il a payé ses comptes. Il a agi. Ce moment kairos, quand le Samaritain s'est détourné de son chemin, a permis de sauver une vie. Et bien sûr, c'est une parabole, mais je pense que cela nous arrive à vous et à moi très souvent. Je pense que Dieu veut mettre en lumière quelque chose. Si nous faisons attention à ce que nous vivons, si nous avons le cœur ouvert, si nous avons la capacité d'avoir un œil spirituel ouvert et d'être attentif à ce qui se dresse sur notre route, Dieu veut mettre quelque chose en lumière et nous donner une occasion d'observer, de croire et d'observer, de réfléchir, peut-être avec Dieu. Ok, je vois quelque chose, je vois que tu tentes d'attirer mon attention sur quelque chose et que devrais-je faire ? Et peut-être, quand vous commencez à comprendre ce qu'il faut faire, vous pouvez demander à la personne qui se trouve en face de vous, suis-je la bonne personne pour faire cela ? Est-ce que je crois suffisamment en toi, Dieu ? Devrais-je aider cette personne ? Seras-tu là pour m'aider ? Au moment où vous agissez, le paradis s'ouvre. Dieu lui-même vient vers vous. Donc pour terminer, tout commence par l'observation et se détourner de son chemin de départ. Et quand nous faisons cela, quand nous observons et quand nous nous détournons du chemin, ça devient un moment saint. Et cette personne devient sainte. Et vous observez ce que Dieu fait à ce moment-là. Et ça devient un moment kairos. Et ça, quand ça vous arrive, à vous et à moi, nous devons être attentifs. J'ai composé une petite prière, elle n'est pas très extravagante, ce ne sont que quelques mots, mais je vais peut-être remettre ces mots en image. Ces mots vont peut-être vous aider si vous les écrivez, si vous les mémorisez et en faites une prière quotidienne ou peut-être pendant la journée, cela vous aidera peut-être à vivre de manière attentive et d'observer silencieusement où est le buisson ardent, où est le moment précis de ma chronologie, de ma journée. Quand dois-je regarder, observer
et suis-je invité à me détourner de mon chemin de départ par Dieu ? Prions ensemble. Mon Père, je te loue. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je te remercie, car tu es avec moi, comme Jésus l'a promis. S'il te plaît, ouvre-moi les yeux et éveille mon cœur pour que je sois attentif et que je remarque le buisson ardent. Je ne les ignorerai pas, mais je me détournerai pour te rencontrer à cet endroit et pour honorer Jésus en faisant ce qu'il ferait. Et je serai ta maison dans ce monde. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.